Smoke and Play, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va super, je suis au top aujourd'hui. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau jeu. Enfin je vous l'ai déjà présenté, il s'agit de The Long Dark. Donc on va commencer le let's play aujourd'hui, donc épisode 1 tout de suite les amis. On va se faire un petit mode libre. Alors je vais effacer notre dernière sauvegarde. Voilà, hop. Et celle-là, on peut la supprimer aussi. Voilà. Donc par contre, on va peut-être changer le mode de difficulté, les amis, parce que... Ouais, parce que dans la vidéo de présentation, c'était un peu trop facile, il y avait plein de loot, etc. Donc là, vous êtes un explorateur, autant chasseur que chassé. Le monde ne vous donnera rien gratuitement. Mais vous verrez qu'avec le temps, vous vous en sortirez. Alors, l'endroit, les amis, on va choisir aléatoire. Histoire de... Voilà. Et on va prendre bah, toujours un garçon. Et on va mettre... saison 1. Let's play. Voilà. On lance les amis, c'est parti. Combien de temps pourrez-vous survivre? Donc les amis, j'espère que le jeu va vous plaire. Hein. Si vous êtes un fan de survie pure et dure, il n'y aura aucun souci. Bien au contraire, vous allez l'adorer. Par contre, si vous n'êtes pas trop survie, vous n'allez trouver aucun intérêt à ce jeu. Donc voilà. Ok, donc on a spawné où? En plein milieu de... Je ne sais où, je n'ai jamais été là les amis. Quitter la vallée chaleureuse. Comment ça quitter? Alors est-ce qu'on a déjà des objets les amis? Ok. On a un peu de loot quand même. C'est cool. Alors où on est là? Wow. Ok, donc on peut pas redescendre. Donc juste d'emprunter la petite porte là pour redescendre, je pense, les amis. Mais est-ce qu'on peut monter? C'est ça que je me demande. Ah, ça continue là-bas. Qu'est-ce qu'on a? Ah si, on peut redescendre par là en fait. Ok. Donc il y a une maison là-bas. Mais je serais bien été déjà voir ce qu'il y a derrière la porte là, ça m'intrigue. On va aller voir ça les amis. C'est peut-être une grotte ou je sais pas. Ou un genre d'abri. Ok, donc c'est un genre d'abri. Ah, charbon. Caisse. Ok. On va prendre tout le charbon. Le journal, on prend. Les gants, on prend. Caisse. On peut pas la casser pour l'instant. Ouh, mais il fait tout nuit en plus. Et on n'a pas de lampe. Voilà, vous voyez, là, on n'a pas de lampe. Ah mais je crois que dans la présentation on n'avait pas de lampe non plus. Oh là là. Bon les amis, on va même pas aller s'aventurer là-bas dedans. Parce que là c'est comme si on était mort. Donc bon. On faudra y penser les amis et on reviendra ici quand on aura trouvé une lampe tout simplement. Ok, alors il fait nuit dans 5 heures. Ça va être tendu les amis. On va essayer de descendre là-bas. On apercevait une maison je crois. Là-bas il me semble que c'est une maison au loin. Je suis pas sûr mais...
Ça se trouve, c'est juste un rocher. Donc là, mon gars, il sleepait là. Ouais. Là, il sleepait grave. Combien il fait? Moins 12. Il fait moins 12, les amis. Donc vous imaginez bien que le mec, sans ce qu'il faut pour le froid, ça doit être dur, hein, les amis. J'aimerais pas être à sa place, franchement. Surtout que moi, je suis pas frileux, mais bon, un petit peu quand même, on va dire. Ah, on peut les morceler. Je sais pas si on va récupérer. Ah, bah voilà. Ah, c'est comme ça qu'on fait l'arc, je crois bien, les amis. Hop, petit bâton. Il me semble que c'est avec ça qu'on fait l'arc. Parce que dans la vidéo de présentation, je vous ai montré pour crafter l'arc. Mais il nous disait qu'il fallait deux bâtons. Mais il me semble que c'était ça. Et d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me demandais comment les faire, ces branches. Eh ben, j'ai trouvé. Il faut les ramasser, les amis. Ok, donc ça on peut pas ramasser, tant pis. Bon bah il n'y avait pas de maison apparemment les gars. Donc là ça nous arrange pas du tout. Là il y a des fils électriques, il y a une route. On va peut-être la suivre. On va bientôt faire nuit donc. Oh les petits lapins, vous les voyez? En haut à droite. Ok, tu te les jettes, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Que dalle, je crois. Oh là là, je suis gelé, les amis. Alors là, c'est pas bon du tout. Faut vite qu'on se trouve une maison. Ou un petit abri. Ah, il y a une voiture. Première fois que je vois un véhicule de ma vie, hein, les amis. Est-ce que ça se fouille? Non, je suis dedans. Ah, il fait moins froid dedans, je pense. Et on n'a rien pour se réchauffer là, non. Oh, on n'a même pas à manger, quoi. Du journaux, radio, boîte à gants. That'll come in handy. Ah, on peut même fouiller et tout. Nickel. Porte. Radio. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé, les amis? Ça. On va se manger ça. Analgésique, ok. Ok. On ressort, les amis. Bon, bah, c'est bon à savoir hein, si jamais vous êtes gelé. Mais bon, je pense pas qu'on peut faire un feu dedans, donc. C'est vraiment en cas de. Oh non, les fils électriques, ils mènent nulle part. À part sur. Ah! Ration militaire. Pied de biche, les amis! Oh, alors, ça, c'est super, les amis. Parce que je crois qu'avec le pied de biche, on va pouvoir forcer. Bah, certaines portes ou certains. Casiers. Oh, y'a rien. Donc, lui, il est tombé en panne de voiture, j'imagine. Il a été là au bout pour se réfugier du froid. Il est mort là. Donc, c'est ce qui va nous arriver si on continue là. Je vais regarder par contre si je peux pas me faire un petit feu là. Ah non, je dois être à l'abri du vent. C'est vrai. Là, il faut être à l'abri du vent pour pouvoir se faire un feu, les amis. Ok, il est crevé en plus. Si on le met là contre la voiture, non? Ok, bon, bah les amis, on n'est pas dans la crotte. Je sais pas par où aller. Je sais pas qu'est-ce que vous feriez à ma place. Soit on va de l'autre côté, on reçut les fils électriques de l'autre côté. Ou soit on essaye d'aller ailleurs. Mais
Ça m'embête un peu de quitter la route, hein, je vous avouerai. Là, on est complètement gelé. Il n'y a pas un petit abri, il n'y a rien. Non, on va pas monter là-haut. En plus, il va faire nuit. Oh là là. Fuck. Non, là, ça craint pour nous, les amis. Donc, on va vite remonter au tunnel là-haut, je pense. Ce sera notre meilleure chance de survie parce que là, on est vraiment mal parti. Mon personnage est complètement épuisé à force de courir et puis avec le froid. Et je ne sais plus par où on est arrivé. Oh non, c'était pas par là? Si, c'était par là, il me semble. Non, ça mène nulle part. C'était par où? Ah, les amis, vous voyez, on se perd. Enfin, moi, j'ai un peu le sens de l'orientation, mais là, franchement, il me semblait que j'avais descendu une grande descente comme ça. Oh, c'était à côté. C'est quoi ça? Ah, des souches. Les champignons, ça se récupère pas? Si. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va quand même les prendre, les amis, on sait jamais. On verra ça plus tard. Pour l'instant, faut que je me dépêche là. Ok, donc. Oh, c'est quoi encore un canard? Oh shit! Encore un cadavre, les amis. Un petit peu de bois. Ah, il y a une petite grotte là. Ok, vite. Ok, vous voyez là, on va pouvoir faire le feu. Donc, pas n'importe où, hein. Bah. What? Ça a fait vert là. Quand je l'ai pris, ça a pas fait vert à un moment? C'est quoi ce... Mais... Ah voilà. On va le faire là. Durée estimée 7 minutes. Ok, on est dans la merde. Une heure. Une heure. On va pas mettre d'accélérateur, les amis. On va essayer comme ça en espérant que ça marche. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc je pense que ça devrait aller. Donc là, je sais pas si, si on tente de dormir ici, les amis, là, dans ce petit renfoncement. Sachant qu'on va pouvoir se faire bouffer, ça se trouve, ou je sais pas trop, mais... Ah, compétence de feu augmentée, ça y était pas avant non plus. Ok, donc là, on se réchauffe. Ce qu'on va faire, ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Rien du tout. Ah, on a ça à manger. Qu'est-ce qu'il a faim? Il a un petit peu faim. Donc je pense qu'on va le garder pour le petit déj, les amis. Ouais, là on commence vraiment avec que dalle quoi. Ah, je peux faire deux feux. 7 minutes. Ouais, autant dire que ça va servir à rien du tout. Alors, on va essayer de dormir là, les amis. J'espère que je vais pas mourir dans la nuit. Évidemment, le feu il va s'éteindre, donc on va tenter de dormir 8 heures. On verra bien. Ah, ça y est! Oh là là, je suis gelé. Alors, on peut pas réactiver celui-là? Ah non, on peut pas. Hein. Il me semblait bien.
Hop, ça va durer 7 minutes, les amis. Je sais pas si ça va nous réchauffer assez. On va bien voir. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, les amis. Moi, j'adore, franchement, la survie, c'est vraiment un de mes trucs préférés. Ok. Allez, réchauffe-moi, mon petit. Réchauffe-toi, pardon. Là, j'allais dire, on va aller récupérer de la neige pour la faire fondre, pour avoir de l'eau, mais on n'a rien pour la récupérer. On n'a aucun récipient, les amis. Donc. Ah, par contre, mes gants, vous voyez, ceux que j'ai trouvés, ils sont à 91%. Ceux que j'avais sont à 66%. Vous voyez que si je mets ceux-là, j'ai un bonus de chaleur. Donc, on va tout de suite les équiper. Ça, on va les recycler en tissu. Nickel. Le feu s'est éteint. Ah, mais il va faire nuit là? Ah non, là il fait jour là. Ok. Ah, mais je suis encore gelé. C'est pas bon pour nous, les amis. Donc là, on va vite. Ce qu'on va faire, on va essayer de retrouver la route. Et on va repartir sur la route. Je vais reprendre un peu de bois là. Parce qu'on en a presque plus, les amis. Hop. Et hop. On en refait deux. Mais il fait de plus en plus nuit là, la nuit elle est pas passée en fait. Environ heure de jour restant. Je vois même plus la route, les amis. Wow. Où cette route? Ah, c'est ça? Ouais. Ok, les amis, on est parti. On voit rien du tout. Je pense que la nuit va tomber en fait. On n'a pas dormi assez longtemps, je crois bien. J'espère juste qu'on va pas passer à côté d'une maison sans la voir. Non, ça devrait aller. Mais là, c'est délicat, les amis. Franchement, on n'a pas choisi la facilité. Je voulais pas que ce soit trop simple. Mais là, je voulais pas que ce soit trop hard non plus, quoi. En plus, à mon avis, on a eu un point de spawn pas top. Ah, c'est quoi ça? Oui, de la vie. De la vie humaine. Oui. Comment? Allô, la porte? Carrefour. Yes. Oh yes, mon Dieu. Ok, donc je ne vois rien. On va essayer de poser. Ah, oh merde, je peux pas faire un feu. Alors, est-ce que... Ok, on peut pas. Il y a quoi? Une caisse? Je vois rien, les amis. Ah, une lampe. Une lampe en métal? Comment ça? Quitter la maison. Ok, donc non. Mais il n'y a pas de lit ou je peux pas poser une merde. Yes! Dormir. On va redormir 4 heures, les amis. En espérant qu'on ne meure pas pendant la nuit. Parce que vous pouvez mourir pendant la nuit, hein, les amis aussi. What? Ah, il fait pas encore jour. Oh là là. Environ 6 heures de nuit. On va dormir 7 heures. Hein. On n'a pas le choix, les amis, là. On n'a pas de lampe, donc. Ah, j'allais dire, il fait encore nuit.
Ok, on reprend ça. On a quoi? Du tissu, du bois. Une autre vente qui fait du bruit. Ah! Des allumettes. On a eu un peu d'essence pour une petite lampe à fuel, les amis. Donc j'espère qu'on en trouvera une. Ah, donc l'entrée, elle était là. Ok. De la ferraille. On n'a rien d'autre. Une boîte. On va fouiller dedans. Ah, boire. Oh là 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 là. Ça tombe très très bien. On est déshydraté, assoiffé, les amis. Ah, on a notre petit truc à bouffer là. Ouf, nickel. C'est un truc militaire en plus. 1750 calories, les amis. Donc là, on est OP, je pense. Ok, on est rassasié. Donc ça, c'est cool. Là, il n'y a rien du tout. Ah! Vous l'aviez vu, les amis? Heureusement que j'ai regardé, quoi. Oh, nickel. On a de l'essence en plus. Oh là là. Ok. Bon, bah, je préfère ça, les amis. Là, ça commence un peu mieux. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, assoiffé. Donc, il faut juste qu'on trouve à boire. De la ferraille. Mais est-ce que je peux. Pendant. Ça me prendrait 1 heure de la morce de la démanteler à la main, la caisse. Bon, on a déjà un peu de bois. On a quoi? Deux trucs de bois. C'est pas génial, deux trucs de bois. On éteint ça, les amis. On n'en a pas besoin dehors. On va économiser notre essence, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait autour de nous? Oh, mais il y avait plein de trucs en fait. Ok, on n'avait pas trop vu. Vu qu'il faisait nuit, les amis, quand on est arrivé. Ok, il y a une boîte aux lettres. Est-ce qu'on peut les fouiller? Yes. Il n'y a rien dedans. La voiture. Ouh. À boire. Ça, c'est cool. On avait encore une petite soif, je crois. Des mitaines. Super. Ouais, on est assoiffé, les amis, en plus. Donc, on se boit ça, nickel. Et les mitaines, j'espère qu'on peut. Que ça nous donne. Ah non, moins 8, les gants sont mieux. Oh, mais j'aurais cru le contraire, vous voyez. Comme quoi, des fois. Ok, on ressort de ça. Donc on était là. On va aller fouiller la maison là. Les amigos. Hop. Ah, je suis content, franchement là. Je retrouve un peu le sourire parce que là on a vraiment eu chaud dès le début. Je vais allumer pour être sûr de rien rater, les amis. Voilà. Congélateur. Évidemment. Frigo. Oh, allez, un petit truc à boire ou je sais pas. Ok, on va tout bien fouiller. Du café. Ça, c'est impeccable. Tisane. On a de quoi faire une réunion de mamie. Hein. Comprimé pour purifier notre eau. Ok. Micro-ondes. Ça, on la prend, c'est jamais. Ah là, on aurait, si on aurait un récipient, on aurait peut-être pu remplir au robinet. Je sais pas trop. Ah, une petite boîte de conserve, les amis. Encore du café. Ok. Alors. Ustensile métallique. Ah, je peux pas ramasser la lampe. La lampe. La poêle, je veux dire. Truite arc-en-ciel cuite. What the fuck? Cuite. Ah bon, on va se la manger, on a encore faim, ouais. Vu que c'est de la viande, on va la manger tout de suite. J'ai peur que ça se périme, les amis. Je pense que ça se périme, de toute façon. C'est même, ouais, quasi sûr. Ah non, c'était. J'avais soif, en fait, mais quelle nouille!
Une tasse de tisane, on va se boire ça. Voilà. Ok, on va un peu mieux. On est juste un peu engourdi là, mais bon. Friandise, ça c'est cool. Alors, normalement, il y a une touche pour se baisser, il me semble. Accroupir, E. Ok. Lancer, viser. Holster. Ok, par contre, j'ai plus la lampe. Vous voyez, là, ça se trouve, il y a un truc, on le voit même pas en fait. Pour ça que moi j'aime bien toujours avoir la petite flamme d'allumer pour rien rater, les amis. Des allumettes, ça on peut pas prendre. Oh, en plus, c'est une grande maison, elle avait l'air petite de l'extérieur. Chaussettes en coton, les amis. Bottes ordinaires. Swag. Swag baby, swag baby. Alors attendez, est-ce que c'est mieux? Ah, on n'a plus d'essence. Ok, ça c'était la tweet. Les chaussures. Bonus de chaleur. Ouais, elles sont juste usées, mais on a quand même un bonus de chaleur. Donc on va les mettre, hein, les amis. On va pas chipoter. Oh, on peut pêcher du cuir sec. Ah, nickel, on va le prendre. On sait jamais, hein, ça peut toujours servir, les amis. Et c'était quoi qu'on a trouvé d'autre? Ah oui, les chaussettes. Ouh, par rapport aux nôtres. Ah non, moins. Ah non, moins. Ah, on perd 0,2 en fait. Elles sont en meilleur état, mais. La lampe, elle est vide. J'y pensais plus. Putain, c'est vidé vite. Ah oui, mais c'est parce que j'ai fait mes actions sans l'éteindre, c'est vrai. C'est comme quand vous vous couchez, les amis, vous vous rappelez, faut pas oublier d'éteindre la lampe, sinon bah, vous gaspillez tout l'essence qui est dedans, tout simplement pour rien, quoi. Ok, on a encore plein de trucs à fouiller. Allez, le tiroir. Manteau d'hiver. La pec, ça. Sous-vêtements, on en avait déjà un, je crois, mais on va quand même le prendre. Hein. Chaussettes. Moi, je prends tout, de toute façon, on peut recycler en tissu, on peut. Gros pull en laine. Alors, on va regarder tout ça. Le truc en coton. On a un petit bonus. Ah, il est quand même mieux. Hein. Ah oui, ça c'est en coton, ça c'est en laine. Ok. On va le porter. Celui-là là. Ah, vous voyez, ça prend 20 minutes à le déchirer. Donc si je le fais, ma lampe, elle va se casse-pied pour rien. Donc on va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Encore des chaussettes. Ah bah celles-là elles sont encore mieux, les amis. Eh ben on va les porter. Nickel. Ah oui, mais on avait eu un manteau et tout là. Manteau d'hiver basique. Super les amis. Plus 2,4 en chaleur. Plus 1,6 pour le vent. Porter. Nickel quoi, franchement là ça fait plaisir. Et le gros pull en laine, on le porte en plus, ouais, nickel. Ah ouais, donc là je pense qu'il a déjà moins froid, je pense. Ah bah c'est cool. Encore des chaussettes, putain, mais ils avaient des chaussettes partout. Ah mais j'aurais pu dormir là en plus. Et je pense que quand vous dormez dans un lit comme ça repose plus sur votre personnage. Je pense. À mon avis, on doit mieux récupérer serviette. Non, on va pas la déchirer. Toilette. Ah. Et ben voilà. On va prendre de l'eau, les amis. Hop. Les rideaux, non, on va pas les déchirer. Le placard, rien du tout. Ok,
Ok. Bon, bon, on a tout fouillé. Bon, bah c'est cool, elle était bien cool cette petite maison, hein, finalement, les amis. On a bien fait d'y aller. Alors, du coup, j'ai plus besoin. Je fais H, ça me la déséquipe direct. Ah, c'est quoi ça? Rien du tout. Ok, bah on va aller traverser le pont, les amis. Je pense que c'est une bonne voie, le pont. Je pense que ça va nous emmener vers d'autres habitations. J'espère. En tout cas. Donc là, comment on est? Un peu soif. On va boire. Ah, mais elle est potable, mon eau. C'est cool. Ok, on est juste un peu engourdi, mais ça va aller. On va courir un peu, les amis. On va réchauffer tout ça. Il y a encore une petite maison là-bas. Deux petites maisons. Ah, c'est quoi? C'est quoi cette fumée là-bas? Je sais pas ce que c'est, mais bon. On verra bien dans le prochain épisode, les amis. De toute façon, on va se laisser ici. Ça sera tout pour l'épisode 1. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. Ça me ferait très plaisir et ça m'aidera beaucoup. Je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. C'était Smoke and Play. Ciao, ciao, l'ami.